Trop vieux pour le disque, passait toujours le même vinyle de Nina Simone et la même chanson, Mr. Bojangles. Elle avait réussi à donner un sens à ma vie en la transformant en un bordel perpétuel. Quand la réalité est banale et triste, inventez-moi une belle histoire. Alors, il lui racontait sa journée imaginaire. Quelle journée, mon enfant adoré, quelle journée! D'abord, il y a l'odeur. Une odeur qui vous prend à la gorge, qui imprègne vos vêtements. Une odeur d'aisselle, d'entrejambes, de pieds purulents qui n'ont pas été déchaussés depuis des semaines. J'ai passé 15 ans de ma vie à m'intéresser aux clochards de Paris. Je les ai suivis dans le métro, dans les centres d'hébergement, à l'hôpital, dans la rue. J'ai aidé à les soigner, je pense en avoir soulagé plusieurs. Je sais n'en avoir guéri aucun. Ils finiront bien par nous dire que le ciel n'est pas essentiel. À force de baisser la tête, on finira par s'incliner. Ils finiront bien par prôner l'amour de l'autre en distanciel. S'ils peuvent supprimer les livres, ils peuvent tout supprimer. Ils finiront par nous convaincre que nos larmes sont crocodiles, comme nos colères sont domicile et nos gestes barrières. Ils ont fini par affirmer que l'essentiel est inutile. On peut tout affirmer dès lors qu'on a bien muselé ses libraires. Et moi, je rêve d'indispensables superflus. Je rêve de sourire aux gens dans la rue. Pero igual que combatimos, pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba, prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela, prometemos resistir, ay Carmela. Un chameau, deux bosses dans le dos, c'est fait très beau. Ce soir c'est disco électro. Il a des vues sur la girafe, mais y a du taf, il pense qu'il danse. Et qu'elle le voit. This morning with the sundown shining in, I
found my mind in a brown paper bag. But then I tripped on a cloud and fell 8 miles high. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in. Traverse la tempête, celle qui s'est abattue sur Memphis, celle qui s'est abattue sur le monde, des pluies torrentielles. La clameur des foules se mélange au bruit du déluge et l'écho de son nom scandé par les cris, l'ouragan de la foule, rassemblée pour défier la tempête et pour l'entendre, lui, Martin Luther King Jr. Ni repos, ni trêve. Il doit aller au bout de cette lutte, au bout de lui-même, au bout de ce qu'il doit révéler, et pourtant il se sent nu, impuissant et faible. Combien de kilomètres encore? Combien de pas encore? Combien de visages, de mains tendues, de regards pleins d'espoir, de regards pleins de haine? Combien de mots? Combien de temps encore? Une heure? Une journée? Ralentir le temps, ralentir cette course effrénée. Alors là, maintenant, il stoppe la voiture, il ouvre la portière et il met un pied à terre dans cette terre boueuse, gorgée de l'eau du Mississippi. Il dévale le talus, suant et affolé, il se baisse. Et l'odeur lourde et suave de la terre lui serre violemment la gorge, cette terre qui a nourri et vu s'épanouir la plus terrible des semences, celle de la haine et de l'esclavage, de la souffrance et de la mort de ces millions de Noirs, cette terre où les branches des arbres produisent d'étranges fruits. Black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from poplar trees. Je sais pas ce qu'il a. Il est bizarre. J'ai l'impression qu'il manigance un truc. Ce que Victoire ne sait pas, c'est que François nous a conviés aussi à ce voyage. Avec mon mari. Chut, c'est une surprise. J'ai trouvé une super villa sur Airbnb, un vrai paradis. Victoire, le soleil, la plage et... Et moi? Oui, car tout ne va pas se passer exactement comme je l'avais prévu. Tu veux que je te fasse un petit punch? Non, je ne bois pas. Un smoothie? J'ai cuit des fruits ce matin. Oh mais t'es gentil, je suis en train de parler. Mec, je te sens tendu là. Tu peux faire une petite séance de yoga sur la plage? Ce mec, es-tu bon? Il a fait Koh-Lanta. Je suis fan. Mais attention. Dans la vie, on ne peut pas... partager. Vous est-il déjà arrivé de détenir un secret? Un grand secret? Qu'avez-vous fait pendant la guerre, Monsieur Turing? Je construis une machine. Une machine capable de calculer, mais aussi... de réfléchir, de lire ou de faire de la musique. Ah ouais, un jukebox. Je te présente Enigma. Ce fou d'Hitler est en train de nous précipiter vers une seconde guerre mondiale, Turing. Et cet engin-là risque de nous la faire perdre. Plonge la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison. Qu'est-ce qui tourne pas rond là-haut, hein? Qu'est-ce qui tourne pas rond? Je sais pas. Quelle est la nature de votre relation avec Monsieur Murray? Monsieur Turing, vous venez d'avouer sous serment être coupable d'outrage aux mœurs et d'indécence. Est-ce qu'une machine peut penser? Nous n'avons plus de temps. Ça fait presque 2 ans que tu cherches, on ne sait pas bien quoi, seul, dans ton coin. Pourquoi refuser à une machine son droit à l'intelligence, même artificielle? Tu es viré! Non! Les entrées sont terminées! Non! Échec et mat, pour vous. Difficile d'être
un prophète, n'est-ce pas, professeur? Les idées nouvelles effraient la plupart des gens. Me voici en trois mots. Passion. Transmission. Et humilité. Oh merde! Il existe une rumeur, une légende sur Anne de Bretagne qui dit que c'est grâce à elle que nos autoroutes sont gratuites. Dois-je vous rappeler qu'Anne de Bretagne est morte en 1514? Non, c'est comme ça. Bird of prey, bird of prey, flying high in the summer sky. Bird of prey, flying high, gently pass on by. Bird of prey, flying high, am I going to die? Bird of prey, flying high, take me on your flight. Thank you.